Finally tonight, a University of Tennessee professor thinks he's solved the mystery of Amelia Earhart. I landed there after frightening all the cows in the neighborhood and rolled up to the farmer's front door. Les récentes découvertes ont enfin éclairci la mystérieuse disparition d'Amelia Earhart. Après des années d'enquêtes implacables, des scientifiques auraient enfin résolu l'affaire, apportant des réponses à la fois fascinantes et déchirantes. Cette révélation a même attiré l'attention de Joe Rogan, qui a discuté des découvertes dans son célèbre podcast. Rejoignez-nous pour explorer les dernières découvertes qui résolvent enfin l'un des plus grands mystères de l'aviation. La jeunesse d'Amelia, Amelia Mary Earhart, l'une des figures les plus célèbres de l'histoire de l'aviation, a eu une enfance et une vie précoces qui ont jeté les bases de son esprit pionnier. Née le 24 juillet 1897 à Atchison, dans le Kansas, elle était la fille aînée de Samuel Edwin Stanton Earhart, un agent de réclamation ferroviaire, et d'Amelia Amy Otis Earhart. Ses premières années ont été passées dans la maison de ses grands-parents maternels, le juge Alfred Gideon Otis et Amelia Harris Otis. La maison de ses grands-parents, grande et imposante, offrait à Amelia et à sa sœur cadette, Grace Muriel Earhart, un environnement stable et nourrissant, malgré les difficultés qui surgiraient plus tard dans leur vie familiale. Dès son plus jeune âge, elle a montré une curiosité et une indépendance qui allaient plus tard définir sa carrière dans l'aviation. Les sœurs jouaient souvent à l'extérieur, grimpant aux arbres et chassant les rats avec un fusil, des activités peu conventionnelles pour les filles de l'époque. Cet esprit d'aventure était encouragé par leur mère, Amy, qui croyait que ses filles devaient grandir avec la liberté d'explorer et d'apprendre selon leurs propres termes, même si cela signifiait briser les normes traditionnelles de féminité. La famille Earhart déménageait fréquemment en raison du travail d'Edwin, perturbant souvent la scolarité d'Amelia. Malgré ses difficultés, elle était une élève brillante et curieuse. Elle fréquenta plusieurs écoles pendant son enfance, y compris les écoles publiques d'Atchison puis de Des Moines, dans l'Iowa, où la famille s'installa en 1909. C'est à Des Moines qu'Amelia vit son premier avion lors d'une foire d'État, mais à l'époque, cela ne l'impressionna pas particulièrement, le qualifiant de « chose en fils de fer, rouillé et bois ». L'instabilité de sa vie familiale, notamment en raison des problèmes d'alcoolisme de son père, finit par entraîner des difficultés financières. L'incapacité d'Edwin à maintenir un emploi stable créa des tensions au sein de la famille, entraînant des déménagements fréquents et des périodes de séparation. Malgré ces défis, Amelia resta concentrée sur ses études. En 1915, elle s'inscrivit au lycée Hyde Park de Chicago, où elle excella en sciences et pratiquait divers sports, notamment le basketball. Amelia obtint son diplôme du lycée Hyde Park en 1916 et s'inscrivit à Logan's School, un collège près de Philadelphie. Son intérêt pour les sciences et la médecine était évident, et elle envisagea initialement une carrière dans la médecine. Cependant, le déclenchement de la Première Guerre mondiale bouleversa ses projets. Lors d'une visite à sa sœur Muriel à Toronto, au Canada, en 1917, Amelia fut témoin des effets de la guerre de première main. Inspirée par les soldats blessés qu'elle rencontra, elle décida de servir comme aide-soignante dans le Voluntary Aid Detachment à l'hôpital militaire de Spadina, à Toronto. Cette expérience fut transformatrice, lui exposant les réalités de la guerre et la résilience de l'esprit humain. Après la guerre, Amelia retourna aux États-Unis et s'inscrivit à l'Université de Columbia à New York, où elle étudia la prémédecine. Cependant, elle ne termina pas son diplôme, car sa famille avait besoin de son soutien. En 1920, Amelia vivait à Los Angeles avec ses parents, qui s'étaient temporairement réconciliés. C'est là que sa passion pour l'aviation fut réellement déclenchée. Elle assista à un spectacle aérien à Dougherty Field à Long Beach et fit un vol de 10 minutes avec le pilote Frank Hawks. Cette expérience fut décisive et elle décrivit plus tard ce moment comme celui où elle sut qu'elle devait voler. Déterminée à apprendre à voler, Amelia travailla à divers emplois pour économiser de l'argent en vue de leçons de vol. Elle commença ses leçons en janvier 1921 avec Anita Netta Snook, une aviatrice, à Kinnerfield près de Long Beach.
Sa détermination et son engagement étaient évidents dès le début, et elle progressa rapidement dans sa formation. En juillet 1921, avec l'aide financière de sa mère, Amelia acheta son premier avion, un biplan Kinner Airster d'occasion, qu'elle surnomma « The Canary ». Avec cet avion, elle établit son premier record d'altitude féminin de 14 000 pieds en 1922. Début dans l'aviation. En 1923, Amelia Earhart devint la 16e femme aux États-Unis à recevoir un brevet de pilote de la Fédération aéronautique internationale, FAI. Cependant, ses activités aériennes étaient limitées par des contraintes financières et des obligations familiales. Elle vendit son avion et retourna dans l'Est pour être avec sa famille. Malgré ses revers, sa passion pour l'aviation ne faiblit jamais. En 1927, après le vol transatlantique en solo réussi de Charles Lindbergh, l'intérêt pour l'aviation explosa. Amelia, vivant maintenant à Boston, s'impliqua dans la communauté locale de l'aviation. Elle écrivit des articles pour promouvoir l'aviation dans le journal local et investit dans l'aéroport Denison à Quincy, dans le Massachusetts. Elle devint même représentante commerciale pour la Kinner Airplane and Motor Company et travailla plus tard comme travailleuse sociale à la Denison House, une maison de colonie de Boston. La carrière d'Amelia prit un tournant important en avril 1928 lorsqu'elle reçut un appel téléphonique du capitaine Hilton Hatch Reilly, qui lui proposa d'être la première femme à traverser l'Atlantique, bien que comme passagère. L'opportunité était soutenue par l'éditeur et publiciste George P. Putnam, qui cherchait la bonne femme pour accompagner l'enthousiasme généré par le vol de Lindbergh. Ce vol n'était pas centré sur les compétences de pilotage, mais sur la promotion des femmes dans l'aviation, et le rôle d'Amelia était crucial pour enregistrer le vol. Le 17 juin 1928, Amelia partit du port de Trepassey, à Terre-Neuve, à bord du Fokker F7, nommé Friendship, accompagnée du pilote Wilmer Stultz et du copilote mécanicien Louis Gordon. Le vol se termina avec succès 20 heures et 40 minutes plus tard, à Burryport, au Pays de Galles. Bien que le rôle d'Earhart ait été principalement celui d'une passagère, cet accomplissement lui apporta une célébrité internationale. Amelia profita de sa nouvelle célébrité en entreprenant une tournée de conférences à travers les États-Unis et en écrivant un livre, 20 Daers, 40 Minas, qui relatait son vol transatlantique. Elle devint une sensation médiatique et fut surnommée Lady Lindy en raison de sa ressemblance avec Lindbergh. Son image publique fut soigneusement gérée par George Putnam, qui devint son promoteur et plus tard son mari en 1931. En 1929, Earhart joua un rôle clé dans l'organisation du premier Powder Puff Derby, une course aérienne transcontinentale pour femmes pilotes de Santa Monica, en Californie, à Cleveland, dans l'Ohio. Son implication dans la course mit en évidence son engagement pour la promotion des femmes dans l'aviation. La même année, elle cofonda les 99, une organisation internationale pour l'avancement des femmes pilotes, en devenant sa première présidente. Amelia a continué à franchir des barrières dans les années 1930. En 1931, elle établit un record mondial d'altitude de 18 415 pieds dans un autogire Pitcairn PCA-2. Son mariage avec George Putnam en février 1931 était peu conventionnel. Elle le considérait comme un partenariat avec des droits et des responsabilités égaux, et elle maintenait fièrement son indépendance. Les vols solo record. L'un des vols solo les plus emblématiques d'Amelia fut son voyage transatlantique en 1932. Le 20 mai, elle décolle de Harbour Grace, à Terre-Neuve, à bord de son Lockheed Vega 5B rouge vif, avec pour objectif de devenir la première femme à traverser l'Atlantique en vol solo et sans escale. Le vol d'Amelia était inspiré par l'exploit de Charles Lindbergh en 1927, et elle était déterminée à prouver que les femmes pouvaient accomplir des exploits similaires. Dès le départ, le vol fut semé d'embûches. Elle dut lutter contre des vents forts du nord-est, des conditions glaciales et des problèmes mécaniques, dont un réservoir de carburant qui fuit et un collecteur fissuré qui crachait des flammes. Ces difficultés l'obligèrent à dévier de sa destination prévue, Paris, à l'instar de Lindbergh.
Après environ 15 heures de vol et 1990 miles, elle atterrit dans un champ près de Londonderry, en Irlande du Nord. Cet exploit audacieux fit d'Amelia une sensation internationale. Elle fut célébrée non seulement pour ses compétences en aviation, mais aussi pour son courage à surmonter les nombreux obstacles rencontrés pendant le vol. Son voyage réussi lui valut la Distinguished Flying Cross, décernée par le Congrès, marquant la première fois qu'un tel honneur était attribué à une femme. Ce vol contribua à affirmer son statut de pionnière de l'aviation et de symbole de l'émancipation des femmes. En 1935, Amelia réalisa un autre exploit en devenant la première personne à voler seule de Honolulu, Hawaï, à Auckland, Californie. Ce vol était particulièrement périlleux car il consistait à survoler 2408 miles d'océan ouvert, sans terre en vue pendant la majeure partie du trajet. Le vol dura environ 18 heures et fut un témoignage des compétences d'Amelia ainsi que de la fiabilité de son avion. En accomplissant ce voyage avec succès, elle démontra le potentiel des routes aériennes commerciales entre Hawaï et les États-Unis continentaux, ouvrant la voie à l'avenir du voyage aérien à travers le Pacifique. Plus tard, en 1935, elle vola seule de Los Angeles à Mexico, un vol qui a contribué à renforcer les liens diplomatiques et à promouvoir la bonne volonté entre les États-Unis et le Mexique. Bien que ce vol n'ait pas établi un nouveau record de distance, il fut significatif par l'attention internationale qu'il attira et pour mettre en lumière les possibilités du transport aérien dans le renforcement des relations internationales. Amelia fut chaleureusement accueillie à Mexico, où son vol fut perçu comme un symbole d'amitié et de coopération. Poursuivant sa série de records et de percées, Amelia vola de Mexico à Newark, dans le New Jersey, où elle établit un nouveau record de vitesse. Ce vol mit en lumière sa réputation grandissante en tant qu'aviatrice habile et intrépide. Ses vols solo furent cruciaux pour promouvoir l'aviation en tant que mode de transport sûr et viable et contribuèrent à l'augmentation de l'intérêt et de la confiance du public pour les voyages aériens. Chacun de ces vols souligna l'engagement d'Amelia à faire progresser la technologie aéronautique et son désir d'encourager les femmes à poursuivre leurs rêves. Elle n'était pas seulement pilote, mais aussi une figure publique qui utilisa sa célébrité pour défendre les femmes dans l'aviation. Ses efforts conduisirent à la fondation des 99s, une organisation qui fournissait du soutien et des opportunités de réseautage pour les femmes pilotes, favorisant un esprit de communauté et incitant davantage de femmes à prendre leur envol. La fin de tout. Amelia se lança dans un projet de tour du monde avec son navigateur Fred Noonan, à bord d'un Lockheed Model 10E Electra. Ce voyage n'était pas seulement une ambition personnelle, mais un effort pionnier qui repoussait les limites de la technologie aéronautique et de l'endurance humaine. Le plan d'Amelia était de suivre un itinéraire équatorial, qui représentait la tentative de circumnavigation la plus longue et la plus difficile de l'époque, couvrant environ 29 000 miles. Le voyage commença le 1er juin 1937, lorsque Amelia et Noonan partirent de Miami, en Floride. Ils voyagèrent vers l'est, effectuant plusieurs escales en chemin, notamment en Amérique du Sud, en Afrique, en Inde et en Asie du Sud-Est. Le 29 juin, ils atteignirent Lae, en Nouvelle-Guinée, après avoir parcouru environ 22 000 miles du trajet. Leur prochaine destination était l'île Howland, une petite île dans l'océan Pacifique, cruciale pour faire le plein avant les derniers tronçons du voyage de retour aux États-Unis. Le 2 juillet 1937, Amelia et Noonan partirent de Lae en direction de l'île Howland. Le vol devait couvrir environ 2556 miles au-dessus de l'océan Pacifique. Une distance redoutable qui nécessitait une navigation précise et une communication radio en raison de l'absence de points de repère. Le navire cutter de la garde côtière américaine, l'Itasca, était stationné près de l'île Howland pour communiquer avec l'avion d'Amelia et la guider vers l'île à l'aide de signaux radio. Cependant, les choses ne se passèrent pas comme prévu. Amelia et Noonan rencontrèrent des difficultés avec les communications radio. Des malentendus et des erreurs sur les fréquences radio à utiliser
entraînèrent de la confusion. L'équipage de l'Itasca reçut des transmissions sporadiques d'Amelia, indiquant qu'elle ne parvenait pas à trouver l'île Howland et qu'elle avait presque plus de carburant. Sa dernière transmission connue, reçue à 8h43, heure locale, disait « Nous sommes sur la ligne 157-337. Nous répéterons ce message. Nous répéterons ceci sur 6210 kilocycles. Attendez. » Malgré les tentatives de trianguler sa position, l'Itasca ne réussit pas à établir une communication bidirectionnelle ni à la guider vers l'île. Après sa dernière transmission, aucune communication supplémentaire ne fut reçue et l'avion d'Amelia ne fut jamais retrouvé. Les premiers efforts de récupération. Lorsque Amelia et Noonan ne parvinrent pas à arriver à l'île Howland comme prévu le 2 juillet 1937, les alarmes furent immédiatement déclenchées. Le duo naviguait dans l'une des zones les plus difficiles et mal cartographiées du monde, et leur dernière transmission radio indiquait qu'ils avaient des difficultés à trouver l'île. La dernière transmission d'Amelia suggérait qu'ils volaient sur une ligne de position, mais la communication fut perdue peu après. Le cutter Itasca, stationné près de l'île Howland pour aider à la navigation, attendait l'arrivée d'Amelia et réalisa rapidement qu'il y avait un problème lorsqu'elle ne se présenta pas. La réponse initiale fut rapide. L'Itasca commença immédiatement à rechercher dans les eaux entourant l'île Howland. Cependant, ils rencontrèrent d'importants défis. L'océan Pacifique est vaste et la zone où l'on pensait qu'Amelia s'était écrasée était reculée et étendue. Les problèmes de communication avaient compliqué la navigation d'Amelia, ce qui rendait difficile la localisation précise de son avion. Malgré leurs efforts, la recherche de l'Itasca le premier jour ne donna aucun signe d'Amelia, de son navigateur ou de leur avion Lockheed Electra. En quelques jours, la recherche s'est considérablement intensifiée. Le président Franklin D. Roosevelt autorisa une vaste opération de recherche navale et aérienne. La marine américaine déploya plusieurs navires, dont le cuirassé USS Colorado et le porte-avions USS Lexington, ainsi que leurs navires de soutien. Il s'agissait de l'une des plus grandes opérations de recherche pour un avion disparu de l'époque, reflétant à la fois la notoriété d'Amelia et l'intérêt international pour son sort. L'USS Colorado arriva dans la zone de recherche quelques jours après la disparition d'Amelia, apportant avec lui une flotte d'avions pour scruter l'océan depuis les airs. Les avions effectuèrent de vastes recherches aériennes autour des îles voisines, notamment l'île Baker, l'île McKean et les îles Phoenix, qui comprenaient Nikku Maroro, alors connue sous le nom d'île Gardner. Malgré leurs efforts, ils ne trouvèrent aucune trace de l'aviatrice disparue ni de son avion. La recherche fut entravée par la taille considérable de la zone de recherche et la technologie limitée de l'époque, ce qui rendait difficile de localiser un petit avion dans une telle étendue d'océan. En plus des efforts du Colorado, l'USS Lexington fut envoyé de San Diego avec un équipage complet d'avions. Le Lexington était un atout majeur, capable de lancer des recherches aériennes étendues sur une large zone. Les avions déployés depuis le Lexington survolèrent des milliers de kilomètres carrés d'océans ouverts et d'îles. Mais malheureusement, tout comme ceux du Colorado, ils ne trouvèrent aucune preuve d'Amelia ou de son avion. Au fil des jours, les efforts de recherche continuèrent, avec l'envoi de ressources et de navires supplémentaires. L'opération de recherche devint une course contre la montre, les secouristes espérant retrouver Amelia et Noonan vivants. L'USS Lexington, l'USS Colorado, ainsi que d'autres navires et avions sillonnèrent la zone, se concentrant sur des sites d'écrasement potentiels et des îles où Amelia pourrait avoir effectué un atterrissage d'urgence. Malgré leurs efforts exhaustifs, la recherche ne donna aucun résultat concret. La recherche pour retrouver Amelia et Noonan fut officiellement interrompue le 19 juillet 1937, après 17 jours de recherches intensives. À ce moment-là, la marine américaine et la garde côtière avaient couvert environ 250 000 km² d'océan et de terre dans l'une des opérations de recherche les plus étendues de son époque. Bien que la recherche officielle ait pris fin,
le mystère entourant la disparition d'Amelia continua de captiver le public et a conduit à de nombreuses recherches privées et théories au fil des décennies. Les théories sur sa disparition. Le mystère de ce qui est arrivé à Amelia Earhart et à son navigateur, Fred Noonan, a donné lieu à d'innombrables enquêtes et spéculations. Bien que la disparition reste non résolue, plusieurs théories de premier plan ont émergé, chacune tentant d'expliquer ce qui a pu se passer ce jour fatidique de juillet. L'une des théories les plus largement acceptées est qu'Amelia et Noonan sont tombés en panne de carburant et ont crashé dans l'océan Pacifique près de l'île Howland. Cette théorie repose sur les circonstances entourant leur dernière transmission radio confirmée, dans laquelle Amelia indiquait qu'ils étaient à court de carburant et incapables de localiser l'île Howland. Le cutter de la garde côtière américaine, l'Itasca, stationné près de l'île pour les aider à naviguer, n'a pas pu établir de communication radio bidirectionnelle avec l'avion, ce qui a ajouté à la confusion. Malgré les efforts de recherche approfondis de la marine américaine et de la garde côtière, aucune trace d'Amelia, de Noonan ou de l'avion Lockheed Electra n'a été trouvée, ce qui a conduit beaucoup à conclure que l'avion a coulé dans l'océan, ne laissant aucune preuve tangible derrière lui. Une autre théorie suggère qu'Amelia et Noonan ont pu atterrir sur l'île Gardner, aujourd'hui connue sous le nom de Nikumaroro, qui fait partie des îles Phoenix. Cette théorie a gagné en popularité dans les années 1940 lorsque l'officier colonial britannique Gerald Gallagher a signalé avoir trouvé des ossements humains, une boîte de sextants et d'autres artefacts sur l'île. Bien que les os aient été initialement identifiés comme appartenant à un homme, une analyse plus récente utilisant des techniques médico-légales modernes a suggéré qu'ils pouvaient correspondre aux caractéristiques physiques d'Amelia. Le groupe international pour la récupération d'avions historiques, TIGAR, a mené plusieurs expéditions à Nikumaroro, découvrant des artefacts tels que des morceaux d'aluminium et des éclats de verre que certains pensent pouvoir être liés à l'avion d'Amelia. Ces découvertes, bien que intrigantes, n'ont pas fourni de preuves définitives de la présence d'Amelia sur l'île. Ces dernières années, les avancées technologiques ont ravivé l'intérêt pour la recherche de l'avion d'Amelia. Des images sonar et des explorations sous-marines ont été réalisées dans la zone entourant l'île Howland et le fond marin adjacent. Notamment, l'explorateur sous-marin Robert Ballard, connu pour avoir découvert l'épave du Titanic, a dirigé une expédition en 2019 pour rechercher autour de Nikumaroro. Malgré l'utilisation d'équipements de haute technologie pour scanner le fond marin, l'expédition n'a trouvé aucune preuve concluante de l'Electra. Cependant, les données collectées ont fourni des informations précieuses qui pourraient orienter les recherches futures. Il existe également des théories suggérant qu'Amelia et Noonan auraient été capturés par les forces japonaises, croyant qu'ils étaient des espions. Cette théorie suppose qu'ils ont été emmenés aux îles Marshall ou à Saipan et retenus prisonniers. Bien que cette idée ait été popularisée dans divers livres et documentaires, elle manque de preuves substantielles. Une photographie controversée, autrefois supposée montrer Amelia et Noonan vivant dans les îles Marshall, a été démystifiée plus tard, ce qui a renforcé le scepticisme autour de cette théorie. Une autre théorie intrigante concerne des rapports de transmission radio reçus après la disparition d'Amelia. Certains chercheurs croient qu'Amelia aurait tenté de radio pour demander de l'aide après avoir atterri, et plusieurs stations dans le Pacifique et aux États-Unis ont signalé avoir reçu des signaux de détresse. Cependant, ces signaux étaient souvent faibles, brouillés ou non vérifiés, et leur authenticité reste un sujet de débat. La possibilité que certains de ces signaux aient été authentiques a alimenté cette théorie, suggérant qu'Amelia aurait survécu un certain temps après le crash. Parmi les théories les plus spéculatives figure l'idée qu'Amelia aurait survécu au crash, changé d'identité et vécu dans l'anonymat. Cette théorie, popularisée par un livre intitulé « Amelia Earhart Lives » de Joe Klass, suggère qu'Amelia aurait assumé l'identité d'Irene Craigmile Bolam, une femme au foyer du New Jersey. Malgré des enquêtes approfondies, cette théorie a été largement discréditée, car Bolam elle-même a nié toute connexion avec Amelia,
et aucune preuve crédible ne soutient cette affirmation. Dernière mise à jour. Au cours des dernières décennies, la fascination pour la disparition d'Amelia Earhart a suscité de nombreuses expéditions et enquêtes. L'une des principales organisations impliquées dans ces efforts est le Groupe international pour la récupération des avions historiques, TIGAR, qui est à l'avant-garde de la recherche et de l'exploration concernant le dernier vol d'Amelia. TIGAR a concentré une grande partie de ses efforts sur l'île Nikumaroro, anciennement l'île Gardner, dans le Pacifique, en se basant sur l'hypothèse qu'Amelia et Noonan ont pu s'y retrouver après avoir échoué à localiser l'île Howland pour leur ravitaillement en carburant. Les expéditions de TIGAR à Nikumaroro ont été vastes et minutieusement planifiées. Le groupe a effectué plusieurs voyages sur l'île, cherchant des preuves qu'Amelia aurait pu y survivre un certain temps. Leurs recherches s'appuient en partie sur des rapports anecdotiques d'habitants de l'île et des archives historiques suggérant qu'un naufragé pourrait avoir vécu sur l'île. En fouillant les récifs coralliens et la végétation dense de l'île, TIGAR a découvert une variété d'artefacts, y compris des morceaux d'aluminium et d'autres matériaux que certains pensent provenir de l'avion Lockheed Electra d'Amelia. Une découverte clé a été celle d'un squelette partiel trouvé en 1940, initialement pensé être celui d'un homme. Cependant, une analyse médico-légale subséquente utilisant des techniques modernes, comme une étude de l'anthropologue Richard Jantz, a suggéré que les ossements pouvaient correspondre aux caractéristiques physiques d'Amelia, bien que cela demeure un sujet de débat. Un autre acteur important dans la recherche en cours est l'explorateur océanique Robert Ballard, célèbre pour avoir découvert l'épave du Titanic en 1985. En 2019, Ballard a dirigé une expédition à Nikumaroro, utilisant des technologies sous-marines de pointe pour sonder le fond marin à la recherche de vestiges de l'avion d'Amelia. L'équipe a déployé des véhicules télécommandés avancés et des équipements sonar haute définition pour cartographier le fond marin. Bien que l'expédition de Ballard n'ait pas localisé d'épave définitive de l'avion d'Amelia, les données collectées ont fourni des informations précieuses et ont enrichi les connaissances sur la région autour de Nikumaroro. Parallèlement aux efforts de TIGAR et de Ballard, d'autres chercheurs et historiens ont continué à explorer des théories alternatives sur la disparition d'Amelia. Certains suggèrent qu'elle aurait été capturée par les forces japonaises, une théorie qui avance qu'elle aurait fini dans les îles Marshall ou à Saipan. Cette idée a été alimentée par des récits anecdotiques et des prétendues observations, mais elle manque de preuves concrètes et reste controversée. Une photographie, supposée montrer Amelia et Noonan vivant dans les îles Marshall, a été débunkée par la suite, jetant un doute sur cette théorie. Ces dernières années, les progrès de la technologie sonar et de l'imagerie ont joué un rôle crucial dans l'avancée des recherches. Deep Sea Vision, une société d'exploration océanique, a utilisé une imagerie sonar sophistiquée pour sonder d'immenses zones de l'océan Pacifique, espérant identifier d'éventuels sites d'épaves. Leurs efforts se sont concentrés sur des régions profondes où l'on croit que l'Electra pourrait avoir crashé. L'utilisation de drones sous-marins sans pilote équipés de caméras haute résolution et de sonars a permis aux chercheurs d'explorer des parties de l'océan jusqu'alors inaccessibles. Ces avancées technologiques ont conduit à la découverte de plusieurs structures sous-marines qui pourraient potentiellement être liées à l'avion d'Amelia. Bien qu'aucune n'ait été identifiée de manière concluante comme étant l'Electra, ces découvertes ont ravivé l'espoir que le mystère pourrait un jour être résolu. Les sondages sous-marins ont également fourni des cartes détaillées du fond marin, contribuant à notre compréhension de la géographie de la région et facilitant les futures recherches. En plus des efforts technologiques, l'intérêt renouvelé pour les archives historiques et les témoignages a fourni de nouvelles perspectives sur les recherches. Les chercheurs ont réexaminé les signaux radio qui auraient été reçus après la disparition d'Amelia, les analysant avec des équipements modernes pour déterminer leur authenticité. Certains experts croient qu'Amelia a peut-être tenté de diffuser des appels de détresse, et certaines transmissions ont été captées par des stations dans le Pacifique et aux États-Unis.
Cependant, la validité de ces signaux demeure un sujet de débat, car beaucoup étaient faibles et difficiles à interpréter. Merci d'avoir regardé cet épisode. Tant que vous êtes encore là, n'oubliez pas de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité.